Et on reprend tout de suite en plein cœur de l'action. Hop. Ah, mon épée. Oh, une batte beaucoup. Je crois que c'est ça qui me faut. Ah non, il me faut une batte mobline, je crois. Rien à voir. Tu veux bien ne pas taper mon cheval, s'il te plaît? T'as intérêt à ce qu'il soit pas enfui. Voilà. Nous, on a besoin d'une batte mobline. Rien à voir avec la batte Boko. Donc, on a dit par là. Tu vas bien, Terry. Tu peux reprendre la route. Ne t'inquiète pas. On a veillé au grain. Et là, on est sur la bonne route, oui. À un moment donné, il faudra que je m'arrête pour cuisiner. Hein. Baguette de feu, c'est pas ça qu'il nous fallait, si. Je crois pas. Il nous fallait quoi? Baguette de glace, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a? Jeune enthousiaste, lui, il veut voir une batte mobline. Secret de la montagne, viscère de Moldrakor, cheval à tout prix. Baguette surgelée, voilà, c'est ça. Écoutez, les gars. Ok, mais juste pour le fun, hein. Voilà. Juste pour le lols. Ah, une batte mobline. Parfait. On a pile ce qu'il nous fallait. Bon, attendez, les gars. On va régler ça autrement. Oh là là. C'est bon, là? Meurs, s'il te plaît. Les arcs, c'est un peu embêtant pour moi. Vous, vous mourrez tout de suite. Voilà, vous me laissez tranquille. Bon, il y a toujours le gros qui me court après, mais... On va faire comme si on l'avait pas vu. Wouah, non, tu m'as pas vu. Je veux pas mourir. Je veux pas mourir et en plus j'ai plus rien pour me soigner. Ah bah si, j'ai quelques trucs. On a dû le looter sur le... Comment ça s'appelle? Sur le... Ah, je me souviens plus. L'inox, je pense. Bah du coup on en a plein des Batmoblins. On va pouvoir aller revoir le petit garçon à Limith. Ça, ce sera cool. Je sais pas combien il va vouloir en voir comme ça, parce qu'il y a des armes que j'ai peut-être plus, moi. Que j'ai même pas pris en photo, en plus. Je sais pas si ça compte dans le... Ah. Je sais pas si ça compte dans le... Comment ça s'appelle? Dans le pourcentage... Oh, un inox. Dans tous les cas, on a vu ça. On va aller s'en charger. Donc, ouais, je sais pas si ça compte dans le pourcentage. J'espère pas. Parce que, à mon avis, il y a des armes qui disparaissent à tout jamais. Donc, ça serait bien embêtant que ça compte dans le pourcentage. Et pareil pour les photos, je sais pas si le fait que j'ai pas pris Koga en photo, ça compte ou pas. Oulala, là là. Je suis un peu occupé là, tu vois pas? Non, il a pas vu. Et on a fait le grand plongeon, juste parce que j'étais persuadé d'avoir le temps de pouvoir replacer le truc à temps. Bah, pas du tout. Erreur stratégique. Bon, par contre, j'ai pas de temps à perdre, moi, je vais remonter vite fait. Et on a de quoi se redonner un peu d'endurance, donc c'est pas grave. Hop, et en plus, on va pouvoir garder notre jauge supplémentaire. Ça, c'est cool. Bon, toi, là. Tu sais que j'étais occupé? Alors, on va régler le problème tout de suite. On va pas en parler des heures. Voilà. C'est bon, maintenant? T'es content? C'est ta faute, hein. Moi, j'avais pas prévu de te faire du mal, mais non, monsieur veut chercher les problèmes. Voilà. Non, une feuille, tu m'as trouvé. À la revoyure. Eh oui, à la revoyure. Je sais pas combien de korogu ça nous fait. Pas énormément, je pense. Oh mon dieu. Un sanctuaire, quoi. Eh ben ça, c'est une très 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 bonne nouvelle. On est tombé dessus pile par hasard. Ça, ça va être cool. Alors, est-ce que je peux aller me reposer pour pas utiliser ma jauge? Eh oui. C'est parfait. Bon, lui, on va lui régler son compte aussi vite que possible. Ça, c'est lequel? Le brise-montagne. On va s'amuser avec ça, je pense. Mon petit gars, tu vas avoir quelques problèmes. Je te l'annonce tout de suite. Hein. On va s'amuser un peu avec toi. Alors, j'aimerais bien qu'il ne me détecte pas avant que j'y sois. Ce serait beaucoup plus drôle.
Ah, il nous détecte direct en fait. Dès que je sors mon épée, il me détecte. Tu vas ramasser. Voilà, oh là, même pas eu besoin. Non! J'allais dire même pas eu besoin du pouvoir, mais on l'a utilisé quand même. Quel dommage, quel dommage. Bon, en tout cas, on a repéré ce petit sanctuaire en bas. On va aller le faire tout de suite. Sans plus attendre. On a encore plein de surprises dans ce monde. Hein. Bon, par contre. Alors, sachez que c'est interdit de pêcher comme ça. Hein. Ne le faites pas. D'ailleurs, ça n'a pas du tout marché. Ils sont où les poissons? Et là, c'est bon? Ouais. Mais ça a marché, hein, forcément. En vrai, il n'y a même pas forcément besoin qu'ils soient juste à côté de la bombe. Enfin, bombe, grenade, tout ce que vous pourriez balancer dans l'eau. C'est juste que bah, dans l'eau, le son se transporte vraiment très bien. Et donc, du coup, eux qui sont un peu fragiles, bah, vous les tuez direct, par choc. Et bah, s'il y avait quelqu'un dans l'eau aussi, vous pouvez lui crever les tympans direct aussi. Hein, donc, pas cool. À ne pas faire. Assez parlé, place au sanctuaire. Toi qui as pénétré ce sanctuaire, Dakasso te met à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Et c'est quoi comme épreuve? Épreuve basique de force. Ah bah on va lui rouler dessus, je pense. Pour le coup, ça va aller vite. Salut, petite créature. Je suis désolé, tu vas être victime de... d'un atroce traitement, on va dire. Surtout que t'es un peu sous-équipé par rapport à ce qui t'attend. Tiens, mange. Désolé, hein, j'ai pas de temps à perdre, moi. Il y a des sanctuaires à faire, le monde à sauver, tout ça. Ouais, mais non. Aïe. Je suis resté trop près. Ça m'apprendra. Meurs. Bah, c'est allé vite quand même. Hein. On s'est quand même ramassé un coup, au final. Hein. Je ne m'y attendais pas. Ça, on l'a déjà ou pas? Bah, prends la photo. Lance de gardien 1.0, on l'a. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est quelque chose d'intéressant pour moi? Là est toute la question. Cœur antique. Bah, c'est toujours intéressant, le cœur antique, je prends. Toi, tu fais quoi avec tes bracelets là? J'ai pas eu le temps de voir, montre-moi. Tu les fais juste pendouiller de tes bras, j'ai l'impression. Hein. Rien de bien exceptionnel. Il y a plus de tours de magie incroyables. En remportant la victoire, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Au nom de la déesse Ilia, reçois l'emblème du triomphe. Merci bien, ça m'en fait 6? Peut-être? Oui, je pense que ça m'en fait 6. Avec les yeux rouges, Link, la grande classe. Emblème du triomphe! Et de 6, bah parfait. Mon devoir est désormais accompli, puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Merci bien. Ma quête est déjà plus ou moins terminée, mais bon, il reste des choses à faire, donc t'inquiète pas, elle me protège. Bien, une autre bonne chose de faite. Maintenant, je vais remonter voir mon petit cheval. Ah, et puis j'ai toujours ma barre d'endurance supplémentaire, ça c'est cool. Bon, peut-être plus pour longtemps, vu au rythme où j'escalade ce truc. Elle est pas top, ouais, effectivement, l'autre mine de rien, on se rend compte que l'autre combi, elle donne un sacré bonus quand même, on grimpe beaucoup plus vite. Allez, tu peux le faire. Bon. Tant pis pour ma barre d'endurance. J'en ai assez, je suis pressé. Ah, on a failli tomber, non? En tout cas, on a vidé notre endurance et on l'a fait au bon moment parce qu'il se met à pleuvoir et donc du coup, on n'aurait pas pu escalader.
Bien nous a pris. Va là où je te dis d'aller, toi. Sois un docile petit cheval. Peut-être que des libellules volent, il y en a dans le désert, non? En tout cas, là, il y a des sauterelles. Ah zut. Forcément, j'y vais comme un bourrin. La sauterelle, elle se barre. Hein. Il y a d'autres sauterelles ici. Ces petits papillons, on peut pas les ramasser, bien entendu. Sauterelle enduro, très bien. Bah ouais. C'est tout. Pourquoi il veut toujours partir dans l'autre direction quand je monte dessus? Hein? Question existentielle. Il vient de réaliser les aigles aussi, c'est quelque chose qu'on n'a jamais tué. Aigle ou faucon ou quoi que ce soit, ça on n'y a jamais touché. Je suis plutôt content d'ailleurs. Ah! Une embuscade! Alors non, c'est moi qui tire dans la tête des gens. Ah bah lui il est déjà mort, je suis bête. Lui il était mort dès le premier tir. Non! Ah, il a le temps de tirer, mais heureusement qu'on avait Darouk. Hein. Meurs! Lâche cet arc! J'ai pas envie que tu tombes dans le vide par contre, donc reste par là. Non, pas dans le vide. Reste par ici, voilà. Et valse de l'autre côté. Voilà, parfait. Par contre, voilà, si tu pouvais finir par mourir, ce serait cool. Voilà, je peux tout récupérer. Nickel. Je vérifie même pas les arcs, moi. Ouais, Draco Arc Moboko, j'en veux pas. Je sais pas si je l'ai en photo. Je pense que oui. Oui, je l'avais clairement en photo. Bon, du coup, ça servait pas à grand chose. Avance, mon petit. Et dans quel... Oh la vache. Oui, il faut faire tout ça. Bah, ça tombe bien parce qu'il est justement sur cette route-là. Donc, finalement... On a tout intérêt à aller par là. On continue à faire ami-ami avec le cheval. Hein. Je pensais que ce serait fini, moi, depuis le temps. Je me souviens de ces endroits. Là, on a choisi la route la plus longue. Et bah, c'est tant mieux. Et ensuite, on ira faire quelques quêtes chez les Gerudo, je pense. Histoire de s'amuser un peu. Bon, lui... Il nous verra pas. Petit passage par le désert. Hey, t'es un Yiga, toi? Oui, effectivement. Je te le demande encore une fois, veux-tu nous rejoindre au sein du clan des Yiga? Ah, mais c'est encore toi. Bah, moi, j'aimerais bien, mais je peux pas. Non, merci. Comment? Tu oses refuser? Et moi qui pensais que tu pourrais remplacer notre boss? Pauvre fou! Je vais venger le grand Koga! Ouais, tout ça, tout ça. Ça, c'est pas sympa d'esquiver mes flèches. C'est vraiment pas sympa. Il est où? Bon, en même temps, il a pas besoin de les esquiver, je sais pas viser non plus. Voilà. Y'a pas ma flèche dans le coin? T'essayais de faire quoi, là? On peut savoir? Oui, bah reculer contre un mur de pierre, ça n'a jamais été très efficace. Donc voilà. En fait, oui, effectivement, il ne meurt jamais, il se téléporte juste. Parce qu'on les voit, on voit faire un signe de ninja et se téléporter, justement. Très bien. Bah, je suis rassuré, j'aime pas massacrer des Yiga, moi. Je me demande où est passé le grand maître Koga, par contre. Vous voyez qu'il est mort? J'espère pas, hein. Moi je pense juste qu'il est tout en bas d'un trou. Peut-être qu'il manque de nourriture, ce genre de truc, mais moi je pense qu'il est toujours là, quelque part. Allez, suis gentiment la route, hein. Je te laisse faire. Qui me jette des pierres là? C'est pas très sympa. Enfin, moi je dis ça. Je dis rien, hein. Comme d'hab. Wow. C'était violent ça, il avait rien demandé à personne ce petit piaf.
Et il s'en ramasse un sur la figure. Ah bah le voilà lui. Est-ce qu'il va vouloir de mon cheval? Wouah, ce cheval, c'est le portrait craché de mon canasson en cavale. Zut, quelle joie, j'imagine qu'il disait. Tu veux bien me le laisser, gamin? Je suis prêt à t'en donner 300 rubis, une somme rondelette. T'es partant? Pas de problème, je te l'ai amené pour ça. Oh, sérieusement, mais attention, hein, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Pas de problème, j'ai dit, je te le donne. Eh, hey, mais c'est génial, merci, hein, t'es le meilleur. Tiens, comme convenu, voilà 300 rubis pour ton cheval. En plus, franchement, ça vaut le coup parce que je te l'ai dressé. Hey, j'ai déjà un nom pour le cheval que tu m'as vendu pour une bouchée de pain. Dis bonjour à mon petit pote, deuxième du nom. On va en vivre des aventures, MPP 2 et moi. Mon petit pote, deuxième du nom. Sérieux, c'est ça le nom? Et en plus, tu m'as arnaqué. Eh ben, c'est pas sympa. Merci encore, gamin, et que la route te soit clémente. En même temps, des chevaux, moi, je peux en avoir plein n'importe où. Si jamais on se revoit quelque part, n'hésite pas à venir me parler. Zuki. Ben, si on te revoit, Zuki, on viendra te parler. Promis. Oh, mais il y a plein de choses ici. Il y a plein de choses ici. Et on va en plus pouvoir faire une pause cuisine. Amplement nécessaire et mérité depuis le temps. Alors, pause cuisine. Déjà, il va falloir allumer le feu. Première étape, allumer le feu, pas de problème. Voilà. Nous, on le fait à la bourre. Hein. Voilà comment on allume un feu chez moi. Qu'est-ce qu'on va cuisiner? On a quoi? On a... Il va nous falloir des trucs max, hein, ça c'est sûr. Alors en trucs max, comme d'habitude, les bananes lames, ça marche bien. Donc, ah non, c'est les bananes lames, je raconte des bêtises, ça redonne de... Ça donne plus d'attaque. Ça. Champi armo. Ça c'est quoi, champi lame? C'est pas ce qu'il me faut. Gros rallye max. Rallye max. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en max déjà? J'oublie à chaque fois. C'est terrible, hein. Saumon max. Allez hop. Ah bah là, ça... Oh la vache. Là, si ça donne pas un maximum de vie, je sais pas quoi faire. Hein. Plus 17 cœurs. Ah bah là, c'est peut-être un peu trop, franchement. Hein. Donc on va peut-être se calmer un petit peu sur les max. Je vais regarder combien ça fait si j'en mets que 2. Venaison divine. On va mettre du sel, quelque chose comme ça. Gland. Qu'est-ce qui se passe sinon? Pourquoi ça tremble? Ah, le feu. Oui, effectivement. Viande divine salée. On pouvait en mettre un peu plus. On va en mettre un peu plus, du coup. Prendre. Hop. Deux comme ça. Et un saumon max. Est-ce que là, du coup, ça me donne suffisamment? Parce qu'il faudrait que j'ai plus 8 cœurs pour avoir le maximum de cœurs. Ça serait pas mal. Plus 13 cœurs. Ah bah là, c'était un peu trop. Là, c'était un peu trop... Donc on va mettre ça. Si j'en mets que 2, hein, ça fait quoi? Là, ça devrait suffire, non? Ça va encore être trop, je pense. Plus 8 cœurs, parfait. C'est exactement ça qu'il nous fallait. Donc on connaît la recette. Prendre, hop. 2 et un peu de viande. Ça devrait me donner 8 cœurs et c'est exactement ce qu'il me faut. Pour le moment. Après, il m'en faudra 7 parce que du coup, on a déjà de quoi aller récupérer... Ah bah 9 cette fois-ci. On a déjà de quoi aller récupérer... comment ça s'appelle? De quoi aller récupérer un cœur de plus. Je vais mettre juste ça. Ça devrait le faire. Ah, ça me redonne que 3. Donc on va mettre un peu plus. On va booster un peu ça quand même. C'est pas plus mal. Alors j'ai des champignons vigueur. Champignons. Champignons d'Hyrule. Voilà. Prendre un champignon d'Hyrule. Des herbes d'Hyrule. De la viande. Et du sel. Ça devrait faire un peu plus que 3 cœurs. Parce que généralement, on prend beaucoup plus de dégâts que 3 cœurs. Donc avoir un peu plus, c'est pas mal. Viande fine salée. 6 cœurs. Voilà, c'est déjà un peu mieux ça. Donc du coup, on a dit champignons d'Hyrule. Prendre un champignon d'Hyrule. Je vais en prendre... Ouais, je vais en prendre 2. 2 de ça. 1 comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Dans tous les cas, on va pouvoir récupérer un peu de vie au fur et à mesure. Ouais, d'accord. Ça donne quand même pas mal. J'ai peut-être un peu trop mis, du coup. Juste ça, une herbe et de la viande, ça devrait le faire.
Et là, maintenant, qu'est-ce que ça donne? 5, 6. Très bien. Bah, moi, ça me va. C'est parfait. J'en prépare quand même quelques-uns d'avance parce qu'à chaque fois on se fait avoir. Et je vais arrêter là pour aujourd'hui, ça sera déjà pas mal. Voilà. Alors, par contre, ce que j'ai envie de faire là. Et oui, c'est l'instant Amiibo. Donc, Link de Smash Bros. Link de Smash Bros. Version Wind Waker, version Toon. Hop, et on va ramasser tout de suite avant que ça disparaisse. 5 flèches électriques, très bien, c'est pas ce qu'on voulait, mais bon. J'aimerais bien juste avoir tous les costumes, moi. Ce qui aurait été super cool, c'est qu'on puisse les teindre. Je sais pas si on peut teindre les costumes de Link, je pense pas. Hein. Mais ça aurait été bien. Shake de Smash Bros. Maintenant, Zelda de Smash Bros. Voyons voir. D'ailleurs, ça aurait été bien d'avoir Toon Zelda dans Smash Bros aussi. Ça aurait été sympa. Arc royal. Qu'est-ce que j'ai comme arc que je peux jeter? Arc du faucon. Ouais, mauvaise idée. 36, peut-être. Parce qu'un arc royal, normalement, c'est mieux, je crois. Ouais, c'est un tout petit peu mieux et ça a une visée rapide. Et la visée rapide, mine de rien, c'est super intéressant. Longue épée de la vertu. Pour le moment, ça, je vais la garder, hein, bien entendu. Qu'est-ce que j'ai intérêt à jeter, du coup? Ouais, les longues épées, le problème, c'est qu'elles sont longues, donc forcément, c'est pas le mieux. Eh, maintenant, les coffres, ils disparaissent super vite, je viens de remarquer. Avant, je pouvais les entasser et tout. Zelda de The Wind Waker. Link Cartoon, dès 30 ans, cette fois-ci. Hop là. On récupère plein de choses. Maintenant, est-ce qu'on va récupérer un costume? Non, beaucoup de flèches quand même. Hein. C'est assez sympa, ouais, mais c'est pas ce qu'on voulait, nous. Un bouclier royal. Pas de problème. On va jeter notre bouclier de chevalier. Les boucliers royaux, c'est quand même beaucoup plus classe. Et enfin, on va finir sur le Zelda, Zelda 8 bits. Zelda des 30 ans, version old school. Allez, viens là, mon petit. Donne-moi quelque chose, toi. Non, rien du tout. Allez, on va voir ça. Ouh, bah oui, c'est vrai qu'il y a ça, là. J'oublie à chaque fois. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. J'ai pas envie de shooter l'autre, là. C'est un peu dangereux de taper dans les bidons. 5 flèches explosives. Ah, bah, en plus. Sérieusement. Oh la vache! L'erreur! Je voulais m'éloigner. Et ce que je fais, c'est taper avec un truc qui fait des flammes, quoi. Ça va exploser ou pas? Ça m'aurait fait marrer que ça explose, mais bon, ça a pas voulu. J'ai envie de dire tant mieux. Hop. Bon, lui, il a disparu. Très bien, et on va en rester là. Ouais, on va en rester là avant de passer carrément au... Comment ça s'appelle ? À la, bah, aux autres quêtes qui restent du côté des Gerudo, parce qu'on en a encore une ou deux qui traînent, et ça, on va les faire maintenant. Le Moldrakor, j'aimerais bien prendre ma revanche, parce que j'avais pas réussi à le battre, je m'en souviens.